toutes et tous et bienvenue dans un nouveau vlog début de semaine. Nous sommes mardi aujourd'hui, je n'ai pas eu l'occasion de vous prendre hier, du coup je vous prends aujourd'hui. J'ai sorti là la lumière hein, parce que clairement, dehors là on se croirait au mois de novembre. Je vous fais un test. Attention, test, test. Vous êtes prêts? Bonjour. Oh, c'est pas pire en fait. Ouais, c'est pas pire mais c'est quand même mieux comme ça. Alors, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Déjà, update lecture, j'ai terminé le tome 6 de la saga des 7 sœurs, donc de Lucinda Riley, avec la sœur du soleil. Et en fait, j'ai capté en terminant le tome 6 hier soir. Non, ce matin. Non, c'était ce matin, parce que ce matin, d'ailleurs, faut que je vous raconte, je me suis réveillée à 5h30, comme ça, et j'étais bien, c'est-à-dire j'étais réveil naturel, 5h30, ça ne m'arrive jamais. Et j'étais pas du tout dans le coltard, du coup je me suis dit, allez, je vais avancer ma lecture, il me restait pas grand chose. Du coup j'ai fini ce matin très tôt ce tome. J'ai commencé ma nouvelle lecture que je vous montrerai juste après dans la foulée. Et en fait je me suis rendu compte qu'en lisant très tôt le matin comme ça, j'avais une capacité de lecture beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide que lorsque je lis dans la journée et le soir. Je ne sais pas si vous avez l'occasion souvent de lire à 5h30 du matin, moi clairement pas, mais en tout cas cette occasion plutôt particulière et inopinée m'a permis de me rendre compte de ça. Donc bref, j'ai terminé ce matin, donc à 5h30, le tome 6 et je me suis rendu compte en refermant ce livre qu'en fait il ne me restait plus qu'un seul tome du coup avant d'avoir fini toute la saga des 7 sœurs. Parce que le 7e tome c'est... Ah non, il en reste un. Le 7e tome, c'est la sœur disparue. Je crois qu'il en reste un 8e, en partie écrit par son fils, que son fils a terminé. Je crois que c'est ça, qui n'est pas encore sorti. Donc non, a priori, il m'en reste 2 tomes, pardon. Ah oh bah super, je me rassure moi-même en tournant ce vlog. Intéressant. Du coup, comme je le disais dans le précédent vlog, ici, nous suivons Electra, qui est... Electra entre New York et le Kenya. On oscille, comme chaque tome de cette saga, entre passé et présent. Le présent, du coup, donc Electra, qui a une vingtaine d'années, qui... Attendez, je mets sur pause, parce que j'attendais que le four soit à bonne température pour lancer mon gâteau en cuisson. Je reviens. Hop, voilà, ça s'est fait un super gâteau, pomme, rhubarbe, fraise. Wouhou. Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc oui, on oscille entre Electra, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui est mannequin à New York, donc ça c'est le présent, et le passé, où on retrouve en grande partie le personnage de Cecily, qui est une jeune femme américaine, et qui, je ne vous raconte pas comment ni pourquoi, débarque en Afrique, au Kenya, près de Nairobi, dans les années 39-40, on va dire. Ah mais il y a de l'orage. Ah mais rien ne va plus. Hein. et du coup j'ai adoré. J'ai adoré ce tome. Alors bien entendu je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie forcément. Enfin j'ai envie que vous, si vous ne connaissez pas, vous découvriez par vous-même. Toujours est-il que j'avais vraiment hâte de découvrir Electra, qui est la dernière sœur. Enfin, en plus de la sœur disparue, mais la dernière sœur connue, donc recueillie par Pasolt. Depuis le début des tomes de la saga, c'est vrai que c'est un personnage, lorsqu'il apparaît dans les précédents tomes, est assez mystérieux, assez fuyant. On sent que c'est la sœur qui n'est absolument pas rentrée dans le moule, et ça se vérifie du coup avec son histoire. Une histoire qui est aussi entre drogue, alcool, milieu du mannequinat, milieu de la musique aussi un peu, enfin... On sent que quand même il y a un lourd passif, et justement lourd passif qui va... Enfin, en tout cas le retour dans le passé va nous permettre de comprendre pourquoi Electra est une personnalité, ou en tout cas une attitude plutôt difficile à gérer pour les autres et pour elle-même. Donc franchement j'ai adoré, et puis qui plus est le Kenya, par le temps qu'on a, c'était quand même plutôt cool de se plonger dans ce pays où il fait relativement chaud, au milieu de la tribu des Maasai. Enfin non, franchement j'ai beaucoup aimé, et voilà, il fait 950 pages, seule Lucinda Riley, Frank Tilly aussi, Cédric Cyr aussi.
Enfin bref, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui me font lire 940 pages en quelques jours et qui ne me désespèrent pas et qui me donnent envie de me dire allez, on y retourne, c'est parti, malgré le petit pavé. Et du coup, ce matin, j'ai. D'ailleurs, il y a l'une d'entre vous sur Instagram qui me disait ce matin qu'elle avait lu le tome 1, qu'elle avait bien aimé, qu'elle était en train de lire le tome 2, qu'elle vraiment elle avait du mal à accrocher. Elle me demandait si elle pouvait poursuivre les tomes sans lire le tome 2. Les fans de Lucinda Riley, de la saga des 7 sœurs, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me contredire si mon conseil n'a pas été bon. Mais je lui ai dit que oui, puisque pour moi, en fait, chaque tome, c'est une sœur. Ce qui fait qu'on ne retrouve pas l'histoire des précédents tomes dans le tome en cours. Là, typiquement, dans le tome d'Electra, on n'a pas retrouvé l'histoire des sœurs précédentes. Après, il y a quelques références, mais si on ne les a pas, ça ne gêne en rien la lecture. Donc, ce que je lui ai dit, c'est que bah, elle a raté l'histoire d'une sœur. Mais qu'en soit pour moi, si on ne lisait pas tous les tomes, ou si en tout cas il y en a un qui nous échappe, c'était pas forcément grave. Voilà, mais peut-être que vous n'êtes pas forcément d'accord. Et du coup, ce matin, toujours à 5h30, j'ai commencé La Remplaçante de Michel Frances, qui est sortie le 9 juin dernier aux éditions Archipoche, donc la maison Archipel. Et alors, bien entendu, je ne vais pas vous en dire plus, hein, je n'en suis que là. Mais j'aime beaucoup rapidement. On va suivre Carrie qui est productrice. Ouais, c'est ça. Qui est productrice de séries télévisées, qui a 42 ans. Elle travaille dans la même boîte de prod avec son mari Adrien qui lui est scénariste. Donc tout leur sourit au début du roman, ils reçoivent un prix pour une série, etc. Et en fait, il se trouve que dans leur projet de vie, la case enfant n'est absolument pas à cocher, sauf que Carrie se retrouve enceinte. Elle décide contre toute attente de garder l'enfant. Adrien n'est pas franchement fan, n'est pas du tout impliqué dans la grossesse ni rien, ni après la naissance d'ailleurs. Et du coup, Carrie va être remplacée par Emma, qui est une petite jeune qui débarque dans l'univers télévisé. Ah, hop, pardon, nous avons été interrompus, j'ai reçu un appel. Et donc du coup, Carrie de trouver une remplaçante, donc c'est Emma, petite jeunette, donc comme je disais, nouvelle venue dans le monde de la télé, qui débarque. Et bien entendu, alors au début, on comprend rapidement ce qui va potentiellement se tramer. Mais toujours est-il que je peux me tromper. Ce que je sais juste, c'est que là, Carrie, du coup, ultra working girl, n'a absolument pas envie d'arrêter de travailler malgré la grossesse et malgré la naissance de l'enfant. A peur que. Je vais éternuer. A peur que Emma puisse être limite meilleure qu'elle et à un moment prendre sa place. Du coup, elle essaye quand même, malgré tout, même après la naissance de l'enfant, de quand même s'immiscer dans le suivi de ses dossiers. Et ce qui du coup est un petit peu difficile. Enfin bref, en tout cas, je sens que ça va être une lecture rapide et addictive. Là, j'ai qu'une envie, c'est de m'y replonger. Réception. Une réception littérature jeunesse. Puisque mon petit garçon fait sa première rentrée scolaire au mois de septembre. Et que du coup, on essaye sans forcément focus dessus, mais de parler de l'école, de comment ça va se passer, de ce qui va être nouveau, etc. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait être sympa que je lui trouve des livres autour de l'école. Et les éditions Langocha m'ont très gentiment envoyé du coup une nouvelle parution jeunesse chez eux qui est sortie la semaine dernière qui s'appelle Pic Pic rentre à l'école de Pog et Meizu. Voilà. Du coup, pour ça, je vais peut-être essayer en fait. Je sais que c'est Marie-Lucienne Books qui fait ça. Il y en a plusieurs qui font ça, qui séquencent en fait leurs vidéos. Et je me dis que je vais peut-être faire ça, surtout pour les personnes qui me suivent et qui ne sont pas intéressées par la littérature jeunesse. Au moins, ça vous permettrait de squeezer cette partie et de passer à autre chose. Parenthèse fermée. Donc voilà, je l'ai reçu très très récemment. Je ne l'ai pas encore lu avec lui parce que c'est bientôt son anniversaire. Du coup, je pense lui offrir pour son anniversaire. J'en ai reçu un autre, pareil, de la maison d'édition Langocha qui s'appelle Petit Loup fait sa rentrée chez les grands, je crois. Mais que je vous présenterai, je vous ferai un combo des deux au moment, voilà, quand on l'aura lu et quand j'aurai eu un peu plus de réaction de sa part. Mais en tout cas, celui-ci j'aime beaucoup.
pareil, je vous ferai des inserts et puis le fait que les personnages soient des... Ah! Nous sommes sur une coupure d'électricité? Attendez, hop. Je suis de retour et la lumière fut. Du coup, je vous ferai des petits inserts, mais voilà, comme je disais, en plus, les personnages, ce sont des petits animaux, donc je trouve ça plutôt chouette, parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, ils sont un peu au taquet sur les animaux, les lapins, les hérissons, les marmottes. Enfin, nous, du coup, vivant à la montagne, il y a un peu au taquet sur les marmottes, sur les biquettes, sur les chamois, etc. Donc, puis ce que j'aime bien, c'est quand il y a un bel équilibre entre le texte et les illustrations. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, je vous en reparlerai. Mais voilà, il est sorti il y a celui-ci. Donc, Pic-Pic rentre à l'école il y a à peu près une semaine. Voilà, mais je vous en reparlerai quand on l'aura lu avec mon petit chat. Et ça, c'est une réception. Alors, je vais essayer de bien vous en parler parce que ça a un lien avec la littérature, mais pas que. Et je pense que il y a tout plein d'indications. Alors, c'est une entreprise qui s'appelle Mesdames Chaussettes. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, on est sur ce petit logo-ci. Donc c'est Pierrille qui du coup est conceptrice d'attention poétique et joyeuse et qui en fait m'a proposé de recevoir ce qu'elle crée du coup et qui est en lien en partie avec la littérature, avec l'art aussi et le cinéma. Et donc ce sont des chaussettes qui sont imaginées, développées et tricotées en France. Bon, depuis les bougies, d'ailleurs je l'ai là, de l'atelier de Fadette dont je vous parlais, qui sont fabriquées en plein cœur des volcans d'Auvergne. Du coup peut-être que vous l'aurez compris que j'essaye au maximum d'acheter un peu français, local, de proximité, puis que qui plus est quand en plus c'est fait avec amour, alors là c'est le top du top. Et en fait ce qui est rigolo c'est pour chaque pack de chaussettes il y a un jeu de mots, c'est-à-dire que là c'est 20 000 lieues en chaussettes plutôt que 20 000 lieues sous les mers, là c'est 20 000 lieues en chaussettes et vous avez du coup la fameuse pieuvre du coup qui est tout en chaussettes et ce sont des illustrations réalisées par, là c'est Véronique de Jaeger, je remettrai son nom là, qui du coup réinterprète le 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Le professeur Aronnax décrivit un calmar de dimension colossale, ses 8 pieds implantés sur sa tête, tous munis de chaussettes. Et donc du coup ça fait une petite carte que vous pouvez d'ailleurs envoyer. Et je vais vous montrer ces petites chaussettes. Qu'est-ce que c'est marqué? Voilà une carte illustrée. Ah oui, voilà. Le respect des humains. Donc c'est, donc il y a quatre un peu points clés dans la fabrication de ces chaussettes 100% françaises. Le bien-être et la douceur, donc tricoté en France, gage de qualité, reconnaissance et maintien des savoir-faire locaux. Le chic et l'élégance, des coloris déclinés en duo clair et foncé. Le clin d'œil et le pied de nez, une carte illustrée accompagne nos chaussettes, amovible, ajoutez votre patte au verso de la carte. Le respect des humains et de la nature pour que les générations à suivre puissent encore y mettre les pieds. Chaussettes tricotées en fil de coton certifié issu de l'agriculture biologique. Enveloppe et carte imprimée sur carton certifié PEFC 100% encre à base d'huile végétale. Du coup voilà, vous avez le packaging qui se présente comme ça. Et oh là là, elles ont l'air, elles ont l'air et de qualité et très belles. Franchement, merci beaucoup Pierrille. Oh génial. Vous avez deux types de pointures. Vous avez 36, 41 et 42, 46, je crois, quelque chose comme ça. Donc voici la paire Madame Chaussette que je trouve trop fun. J'adore la couleur. Et franchement. Mais alors, c'est une qualité, vous savez, c'est un tissage bien serré. Bah franchement, enfin, démonstration chaussette, je vous montre, mais enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais franchement,
la qualité. Et vous savez quoi? Je vais les mettre, je suis en tombe, je suis pieds nus. Je vais voir un peu le ressenti, ressenti en live. Vous allez vous dire, mais elle nous fait quoi avec ses vlogs, Laura? Oh, oh là là! Oh non, mais elles sont trop agréables à porter. Elles sont trop agréables. Oh, je suis complètement fan. Oh, mais comme elles sont agréables. Oh, oh, je suis trop contente. Madame Chaussette, merci beaucoup pour cet envoi. Mais... oh là là, elles sont... oh, ça me fait penser un peu à des chaussettes. Alors, on n'est pas sur... mince, comment ça s'appelle? Sur du cachemire. Mais franchement... le coton, il est tellement doux, il est tellement tissé, serré. Oh là là, c'est génial. Ah, mais je suis trop contente. Elles sont vraiment trop, trop bien. Je suis plus que ravie. Bon, bah écoutez, hein, voilà, si vous avez des petits cadeaux à faire ou si vous voulez vous faire plaisir, je vous mettrai le lien en barre d'infos vers le site internet. Et donc voilà, il y a la gamme littérature, la gamme peinture et la gamme... cinéma. Donc franchement, je vous invite vraiment à aller sur le site dans mon souvenir. Les chaussettes doivent être... Je regarde. Elles doivent être... Je crois que c'était une vingtaine d'euros. La paire, mais j'ai peur de vous dire des bêtises. Bref, je vous remettrai tout en barre d'infos et là par là. Mais franchement, oh, elles sont tellement agréables à porter. Bon bref, je m'arrête là, mais merci encore Madame Chaussette du coup pour l'envoi de ces super chaussettes Jules Verne 20 000 lieues. C'est comment déjà? 20 000 lieues en chaussettes. Voilà, je vous ai tout dit, je vais vous laisser maintenant et je vous reprendrai dans tous les cas dans la semaine. Et bonjour tout le monde, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, je ne vous ai pas pris hier, mais je vous prends aujourd'hui. J'ai bientôt terminé ma lecture de La Remplaçante de Michel Frances, édité chez Archipoche. Et il me reste ceci, donc je pense le finir aujourd'hui. Et alors, c'est grosse surprise parce que je ne sais pas si vous vous souvenez dans mon précédent vlog ou quand je l'avais reçu, en lisant le pitch, je vous disais, ah là là, ça y est, c'est encore une histoire qu'on connaît par cœur. Donc Carrie, qui a une quarantaine d'années, qui est productrice, son mec, Adrien, qui est scénariste, tous les deux, c'est un peu le couple, c'est l'équipe ultime de la scénarisation et de la production de séries à la télé. Elle tombe enceinte, elle est obligée de se faire remplacer par une nana, la fameuse Emma, qui est jeune, qui est belle, qui est talentueuse et qui, a priori, va lui choper son mari. Et c'est marqué, elle vous a piqué votre job, elle en veut plus encore, donc potentiellement elle pique le mari, elle pique le gosse, elle pique le job, enfin... Et là on se dit, oh mais c'est du vu et revu, mais en fait c'est absolument pas ce que je pensais. C'est-à-dire que là, quand j'ai continué la lecture, je me suis dit... les éditions Archipoche, très fort, parce que du coup, le résumé ne nous vend absolument pas ce que c'est en réalité. Donc le résumé nous fait croire quelque chose, alors qu'en fait, pas du tout. Le seul petit hic du coup, c'est que je l'ai reçu en service presse, donc je l'ai lu. Mais par contre, si je l'avais croisé en librairie en lisant ce résumé, je me serais dit exactement ce que je me suis dit quand je l'ai reçu, à savoir, oh, encore une histoire vue et revue, je ne l'achète pas. Donc l'un dans l'autre, est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas? Toujours est-il que je suis contente parce que ce n'est absolument pas le chemin que je pensais que ça prendrait. Je ne sais pas si je suis claire, mais en gros le résumé m'a fait penser à quelque chose, à une histoire. J'étais persuadée que ce serait ça. Et en fait, ça ne l'est pas du tout. Donc franchement, jolie surprise, c'est assez haletant, Ça passe nickel, c'est très rythmé, il se passe tout le temps plein de choses, enfin, et je pense que tout va s'emboîter à la fin, et je vais encore bailler. Soit j'éternue dans les vidéos, soit je baille, c'est une catastrophe. En tout cas, vraiment une très jolie surprise et je ne m'attendais absolument pas à ça, donc je suis très contente. Et je reviens avec deux réceptions, une réception des éditions JC Lattès. Alors, qu'est-ce que ça dit? Yes, c'est celui-ci.
C'est un livre de Nathalie Sauvagnac. J'avais lu de cette autrice il y a un an et demi ou deux ans, Les yeux fumés, que j'avais... Oula, pardon, j'ai la voix qui déconne, que j'avais beaucoup apprécié. Et là, la maison d'édition m'a proposé du coup de m'envoyer son nouvel ouvrage, donc aux éditions du Masque, qui s'appelle « Et nous, au bord du monde ». Je voulais le petit... Oh, bah j'ai la voix qui... Hein? J'ai la voix qui part en cacahuète. Chassée de la demeure familiale, Nadine R, incapable de trouver sa place jusqu'au jour où elle découvre les vignes, une ancienne bâtisse à flanc de colline défendue par une armée de chèvres et de merisiers. Un squat aux allures de paradis, le repère de deux ours, Louis et Jean-Mi, aussi marginaux qu'elle. Sans demander et presque sans y penser, Nadine investit les lieux, devient la troisième ours. Là, à l'ombre des vignes, elle trouve une existence simple, rustique, et plus qu'un point de chute, un endroit où oublier et tenter de vivre. Mais quand le monde pénètre par effraction dans ce paradis perdu, les souvenirs reviennent, l'enfer commence. Par la justesse de ses mots, Nathalie Sauvagnac réussit la prouesse de raconter la violence des hommes sans pour autant oublier la lumière des invisibles et des fracturés, ceux qui cherchent leur place, fût-elle au bord du monde. Trop bien. Et donc son précédent roman, c'était donc Les yeux fumés que j'avais lu. D'ailleurs, vous pouvez retrouver mon avis sur... Oh ! Excusez-moi, j'ai pourtant bien dormi cette nuit, même si j'ai fait un cauchemar affreux, j'ai pourtant bien dormi. Vous pouvez retrouver du coup mon avis sur mon compte Instagram et peut-être même dans l'un de mes anciens vlogs. En tout cas, merci beaucoup du coup les éditions J.C. Lattès pour ce nouveau roman. Est-ce qu'il est sorti? Ouais, il est sorti. Il est sorti au mois de mai dernier, donc « Et nous, au bord du monde » de Nathalie Sauvagnac. Et seconde réception, peut-être les éditions Archipel. Oh ! Oh mais trop bien ! Je l'avais demandé celui-ci, mais oui j'ai dû le demander. C'est un Lucinda Riley, le secret d'Elena, le phénomène international, 40 millions d'exemplaires vendus. Dès que vous avez la pastille comme ça sur un Lucinda Riley, il est question de millions, hein. C'est toujours, toujours en grande quantité, mais en même temps, ça se comprend. Oh, trop bien. Je vais finir par tous les avoir, les Lucinda Riley, en fait. Ah, je suis trop contente. Je sors de, comme je vous en parlais précédemment dans ce vlog ou dans le vlog avant, je sors du coup de La Sœur du Soleil de Lucinda Riley. Je suis contente de rencontrer en commentaire des gens pour qui c'est vraiment le tome préféré, tout comme moi. Alors, Le secret d'Elena. Petit synopsis. Elena n'a jamais oublié la beauté de Pandora, la majestueuse demeure chypriote de son parrain dont elle vient d'hériter. 24 ans après y avoir vécu un été inoubliable, elle revient sur l'île, ravie de faire découvrir la splendeur de la mer d'émeraude et des champs d'oliviers à son mari et à leurs enfants, notamment Alex, son fils aîné si précoce et sensible. Mais quand Elena croise par hasard son premier amour, c'est tout le passé qu'elle croyait enfoui qui ressurgit. Entre secrets et sentiments, Pandora va offrir à Alex et Elena le plus bouleversant des étés, un roman poignant sur la complexité des liens familiaux et le poids de secrets, empli de mystères et de révélations. Est-ce qu'en fait, Alex, le fils aîné, ne serait pas par hasard le fils d'Elena et de son premier amour? Mais Alex ne serait pas au courant. Et Elena aurait gardé ce secret? Peut-être, hein? Est-ce que ça va être ça? En tout cas, j'adore Pandora. Majestueuse demeure chypriote. Moi aussi, j'ai envie d'avoir une majestueuse demeure chypriote et l'appeler Pandora. Merci beaucoup, en tout cas, les éditions Charleston, du coup, Charleston Poche, pour l'envoi de ce petit Lucinda Riley qui fait... qui fait combien? 626 pages. 626 pages. Oh là 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 là, ça doit être 626 pages absolument formidable. Bref, voilà pour les deux réceptions du jour. Merci beaucoup les éditions Lattès, donc édition du masque, et les éditions Charleston. La suite après la remplaçante
Faut que je me cale un petit livre parce que le 4 juillet, donc dans je sais même pas quel, je sais même pas quel jour on est, enfin quel jour on est, je sais qu'on est jeudi, mais je ne sais pas la date qui correspond. Ah bah on commence la lecture commune lundi, puisque dimanche c'est le 3, et on commence la lecture commune lundi prochain, 4 juillet, de La Villa aux étoffes, tome 1. Donc il faut que je cale un livre qui puisse me faire 3 jours, ce qui est amplement faisable. Faut juste que voilà, je me décide sur un titre. Bref, je reviendrai vers vous quand j'aurai fait mon choix. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Et puis bah voilà, hein, écoutez. D'ailleurs, je vais peut-être faire une petite publication sur Instagram pour la lecture commune du 4 juillet pour peut-être. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'avaient pas vu ma première publication en story et qui n'ont pas capté que je faisais une lecture commune. On est déjà à quelques-unes, mais peut-être que c'est un peu passé à la trappe chez certaines personnes. Donc bref, sauce interne, comme on dit dans le boulot. Allez, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Et bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On est vendredi aujourd'hui. Je viens de me laver les cheveux, donc c'est un peu la pagaille. Mais bon, bref, on s'en fiche. J'ai 15 minutes top chrono pour vous faire un petit point lecture, réception, lecture commune. J'ai terminé La Remplaçante de Michel Frances. Édité chez Archipoche, qui est sorti le 9 juin aux éditions Archipoche. Alors, cette lecture, donc comme je vous le disais précédemment, j'ai été extrêmement surprise puisque à la lecture du résumé, je m'attendais à une histoire plutôt redondante par rapport à ce qu'on a déjà pu lire sur le sujet, et en fait je me suis complètement fourvoyée, à savoir que l'histoire que je pensais n'est absolument pas l'histoire qui s'écrit. Et il y a un rebondissement à la fin que je n'avais absolument pas vu venir. Mais alors, absolument pas. Je suis restée complètement scotchée. Donc ça, c'était vraiment cool. Le seul petit hic, c'est que du coup, le rebondissement, j'ai trouvé qu'il arrivait de façon précipitée, qu'il n'était pas assez creusé. Donc forcément, je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit, hein, parce que sinon vous n'allez plus du tout avoir envie de lire le livre. Mais en tout cas, c'est un rebondissement où clairement j'aurais aimé qu'il apparaisse sur les 40, on va dire, les 40 dernières pages. Et franchement, j'aurais aimé que l'autrice fasse durer ce rebondissement, ou en tout cas dès qu'elle balance le truc. Que du coup, ok, maintenant on a l'info, donc allons-y, creusons, racontons un petit peu plus cette histoire en fait. Et c'est pas le cas, donc en fait je suis à la fois vraiment, enfin j'ai vraiment apprécié la lecture parce que du coup j'étais très surprise. Et du coup il y a ce petit coup où je me dis mince sur cette info du coup qui arrive à la fin et qui du coup constitue complètement le dénouement. L'autrice aurait pu un peu plus creuser, nous faire un peu plus durer les choses pour avoir une conclusion voilà un peu plus consistante, mais sinon voilà un bon petit thriller psychologique qui est passé parfaitement bien. Et du coup, hier soir, j'ai commencé puisque j'ai fait un sondage sur Instagram. Et vous avez été 86% à me dire, allez, vas-y, lis ça. Donc, c'est La Librairie de la Seconde Chance de Jackie Fraser, où il est question de Théa qui cumule les déboires. Hein, au début du livre, elle vient de se faire licencier, elle vient de se faire larguée par son mari qui est tombé amoureux d'une amie de Théa, et du coup maintenant ils occupent tous les deux leur maison. Et donc là on arrive au début, c'est le déménagement où elle doit récupérer toutes ses affaires. Et au moment du déménagement, son mari lui dit, ah bah tiens, il y a une lettre qui est arrivée pour toi. Et dans cette lettre, elle apprend que elle a un oncle, un grand-oncle même, qui du coup lui lègue sa maison et une immense collection de livres anciens. Donc voilà, j'en suis vraiment au tout début, hein. J'en suis là. Donc j'ai lu 32 pages hier, donc je vais pas vous en dire plus, mais en tout cas, ça commence plutôt pas mal. Par contre, je me souvenais pas, les HarperCollins poche, j'en ai pas là qui traîne. Si, quand j'ai lu le Cédric Cyr, La Mort en tête, je me souvenais pas. Ah bah si, je me souvenais pas que l'écriture était aussi petite sur les poches.
Bon, mais si, en fait. Si, c'est moi. Bon, bref. Voilà, donc j'ai commencé celui-ci. Du coup, c'est une petite lecture puisque lundi, je commence la lecture commune de La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs que j'organise. J'ai fait ma petite répartition, j'ai mes petits papiers à l'intérieur qui ne ressortent pas puisque j'ai pris de l'avance, j'étais inspirée et j'ai fait ma photo pour du coup ma chronique de ce livre. Et on part sur 6 chapitres par jour, sachant que les chapitres sont quand même plutôt courts. Donc j'ai calculé qu'en 9 jours à peu près, on va en venir à bout, ce qui fait que du coup je ne me vois pas me faire qu'une seule lecture en 9 jours. Donc je pense qu'après la librairie de la seconde chance, je vais me trouver une autre petite lecture, ça me toute sympathique. Je regarde, c'est bon. Réception. Ce midi. En ce moment, il y en a moins parce que c'est les vacances et que du coup, les maisons d'édition se mettent aussi un petit peu sur pause, mais surtout, elles préparent la rentrée littéraire. Alors, ouais, c'est bien ça. Alors, là-dessus, j'ai été contactée. Par... Oh, ça me donne envie de manger. Attendez, parce que le titre, c'est Le goût des mochis au Queenaman. Genre, des mochis Queenaman. Mochis Queenaman. Queenaman mochis. Est-ce que vous voyez que mes yeux pétillent? J'adore les mochis, j'adore le Queenaman. Trop bien. Alors, ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est une opération en partenariat. Ah, téléphone. Il s'agissait d'une erreur. Une dame cherchait une certaine Sarah. Non, moi c'est Laura. Bon, bah je raccroche, hein. Bah oui, parce qu'a priori, je ne suis pas Sarah. Bref, en fait, c'est un partenariat entre l'application Glyph. Je ne sais pas si vous êtes sur Glyph. Alors moi, j'y suis et j'aimerais bien être un petit peu plus, comment dire? J'ai le mot en tête, hein, un petit peu plus régulière, voilà, sur cette application parce que je la trouve vraiment très pratique. Et donc c'est un partenariat entre Glyph et les éditions Hugo Roman. Et en fait, ils m'ont envoyé un mail en me disant, bah, on a regardé un peu ce que vous aviez mis sur Glyph, les romans qu'il avait dans votre wishlist, les romans que vous aviez aimés, les romans que voilà, vous avez envie de lire, etc. Et du coup, on s'est dit que celui-ci pourrait vous plaire. Donc j'ai lu le résumé, j'ai vu le titre, je me suis dit oui, en effet, c'est clair que potentiellement ce livre peut me plaire. Et du coup voilà, donc je viens de le recevoir. Il faut juste que je regarde parce que je crois qu'il y a deux, trois petites choses à respecter, enfin en termes de publication, de délai, enfin il faut que je reprenne un peu l'email. En tout cas voilà, on est sur le livre qui s'appelle Le goût des mochis au Queenaman, chez Hugo Roman de Marie-Anne P. Michael. Voilà, une couverture d'une fraîcheur avec des petites fleurs de cerisier. Je ne sais pas pourquoi je commence à prendre un accent, mais bon, bref. Alors, le petit résumé. Depuis des années, Louisa a un objectif en tête, rénover la vieille ferme abandonnée dans le village breton de son enfance. Cependant, lorsque le bâtiment est vendu avant qu'elle ne parvienne à réunir la somme pour son acquisition, son rêve s'écroule. C'est au Japon, alors qu'elle part pour se ressourcer chez sa sœur, que débute sa quête d'un nouvel avenir. Pour Emmanuel et son mari, le Japon aurait dû être une étape dans leur tour du monde. Après des années d'une routine qui les a peu à peu éloignés de leurs projets les plus fous, ils avaient décidé de tout quitter. C'est pourtant au fond de son canapé qu'il broie désormais du noir. Sa nièce entend cependant l'en faire sortir au plus vite, qu'il le veuille ou non. L'aventure lui tend les bras. Du bout du monde au plus profond de soi, la route emprunte parfois des chemins inattendus. Dépaysement, résilience et accomplissement sont les maîtres mots de ce voyage entre la France et le Japon. Je ne sais pas par contre si ce livre est d'ores et déjà. Ah non, c'est marqué juillet 2022. Je vais regarder, mais ça se trouve, il sort dans pas longtemps là. Je vais regarder. Donc voilà pour la petite réception du jour. Ouais, je vais pas tarder à y aller. Voilà un petit peu les news. Après, il y avait un colis dans la boîte aux lettres Momox, mais en fait, c'est pas pour moi, c'est pour mon mec. Déception. Bref, voilà, je vous ai tout dit. Je vous reprendrai demain pour clôturer le vlog, pour finaliser mon montage dimanche et vous le publier dimanche.
En fin de journée, j'espère du coup demain peut-être pouvoir vous faire en fin de journée ou peut-être que je prendrai le temps dimanche matin faire un petit update de cette lecture avant du coup de commencer la villa aux étoffes lundi. Et ouais, si j'ai craqué, j'ai regardé le vlog d'Estelle Petite Lectrice ce matin qui vantait les mérites des pochettes à livres qui plus est matelassées de The Book Création, je crois un truc comme ça ou My Book. Je sais pas trop, mais bon, bref, si ça vous intéresse, je vous remettrai peut-être le site là ou le site en barre d'infos. J'ai commandé deux pochettes à livres et en fait, il y avait une offre avec le code Summer, une pochette achetée, une pochette offerte. Et la pochette offerte, c'est la pochette la moins chère. J'ai acheté une pochette poche, une pochette grand format, j'en ai eu du coup pour 17 balles. C'était 11 avec les frais de port, hein. C'était 11 la pochette petit format, 13 la pochette grand format. Enfin bref, du coup, ça valait carrément le coup. Il reste plutôt des jolis modèles, donc si jamais ça vous intéresse, allez-y, puisque je ne sais pas jusqu'à quand a lieu cette promotion. Et en tout cas, merci Estelle Petite Lectrice, parce que je n'avais pas de pochette à livre. Oui, je n'avais pas de pochette à livre. Enfin, une petite pochette à livre toute fine que j'avais eue dans une box cube, mais il y a de ça une éternité, et qui finalement ne protège pas des masses. Et du coup, là, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, donc je vous montrerai ça quand je les aurai reçues. Et en attendant, bah, bonne lecture et je vous reprends demain. Et bonjour à tous, nous sommes sur une clôture de vlog puisque nous sommes samedi. J'essaye de ne pas parler trop fort parce que j'ai mon petit garçon qui dort pas très loin. J'espère que vous m'entendrez. Et je vais faire cette clôture de vlog avec une réception. Mais alors une réception, enfin surprise, dans le sens où je ne m'attendais pas à ce que ma commande arrive aussi rapidement. C'est une commande que j'ai passée hier. C'était hier ou avant-hier? Quand est-ce que j'ai regardé le vlog d'Estelle? C'était hier ou plus tard avant-hier, il me semble que c'était hier, où je vous disais que j'avais commandé des pochettes à livres sur le site My Book Création. Et je les ai reçues ce midi. Grosse surprise. Ouais, c'est bien ça. Alors, je suis scotchée de la rapidité de l'envoi en fait. Oh, elles sont trop belles. Oh, je suis ravie. Je suis super contente. Voilà du coup comment ça se présente. Et en fait, pour rappel, il y a une offre spéciale été ou une pochette à acheter, une pochette offerte. Ce qui fait que c'est clairement super avantageux. Ah, elles sont trop belles. Oh, j'adore. Ah, les premières vraies pochettes à livres dignes de ce nom. Ça fait plaisir. Du coup, j'ai choisi. Ah, en plus, elles sont vraiment bien, bien matelassées. J'ai choisi deux motifs. J'ai choisi deux motifs. Celui-ci que je trouvais. Mais, enfin, c'est complètement mon style, hein, n'est-ce pas? J'adore. J'adore, 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 avec l'intérieur du coup qui est raccord avec l'extérieur et vraiment bien matelassé. Je vais vous montrer. Petite démonstration. Hop. Oui, comme ça vous avez vu sur le bide qui commence à clairement devenir sacrément proéminent. J'en suis au stade où je ne sais plus comment m'habiller. Hein. Clairement, c'est. On pense avant tout confort. Voilà. Donc hop là. Merveilleux, mais merveilleux. J'aime beaucoup trop ce motif. Et la seconde, du coup, sur les versions poche, il n'y avait pas beaucoup de motifs qui me plaisaient. Du coup, je suis partie sur quelque chose d'assez standard en fait pour du coup les livres de poche. Et voilà, trop bien. Je suis trop contente. Mais je pensais absolument pas les recevoir aussi rapidement. Je suis assez scotchée. Du coup, si jamais ça vous intéresse, donc c'est My Books Création. Voilà la petite carte. Et ah, mais voilà, je cherchais en fait son compte Instagram et du coup j'avais tapé bah, tout bêtement My Book Création. Mais en fait, c'est Carole. En même temps, j'aurais pas pu le deviner. Hein. Carole94P. Je ne sais pas si c'est son Instagram perso
ou l'Instagram de ses créations. Enfin, en tout cas, voilà, je suis super, super ravie. Et je crois que pour les deux là, avec les frais de port compris, j'en ai eu pour 17 euros, ce qui est quand même clairement très avantageux. Donc voilà, je suis toujours dans ma lecture de La librairie de la seconde chance de J.K. Fraser, qui me fait toujours à chaque fois penser à James Fraser dans Outlander. Hein, voilà. Et j'en suis chapitre 9. En fait, c'est bête parce que la thématique est vraiment cool de cette nana qui se retrouve à hériter d'une super jolie maison sur un domaine tenu par un lord au fin fond de l'Écosse. En plus de la maison, elle hérite d'une magnifique collection de livres anciens. Et du coup, elle est potentiellement en train de décider de rester en Écosse, mais bon, ça c'était assez évident. Mais je sais pas, j'ai l'impression que la trad, elle est pas ouf. Du coup, je bute beaucoup sur ma lecture, je bute beaucoup sur des tournures de phrases. Et du coup, ça entache un petit peu la lecture, je vous avoue. Mais c'est dommage parce que l'histoire est plutôt cool. Donc écoutez, on va voir où ça... Après, difficile de juger d'un livre en entier quand on n'en est qu'au chapitre 9, n'est-ce pas? Donc je vais malgré tout laisser un peu plus de chance. Voilà, j'ai vu que Marie-Lucien Lilling Books, qui avait organisé la lecture commune du tome 1 de Blackwater, vient de lancer la lecture commune du tome 2, qu'elle va faire commencer je ne sais plus quand. Sauf que, je n'ai pas le tome 2. J'ai reçu le tome 3, qui est dans mon Mondial Relais, qu'il faut que j'aille chercher, que j'ai réussi à récupérer sur Vinted. Et en fait, je n'ai pas le tome 2 pour la simple et bonne raison, je vous explique, c'est que en fait, il y a Fanny de Hellbooking qui avait participé au concours de fin de challenge qu'on organisait avec Manon, les lectures de Manon, le Murder Party Challenge, et elle avait remporté nos deux lectures préférées avec Manon, donc j'avais fait une commande sur la Fnac pour lui envoyer directement. Et récemment, j'ai refait une commande sur la Fnac, à la fois d'un livre pour mon petit garçon et à la fois du tome 2 de Blackwater. Et les deux arrivaient dans deux paquets différents parce que j'imagine que peut-être il y avait une réédition du tome 2, enfin bref. Puis un jour, Fanny, elle bouquine, m'envoie un message pour me dire j'ai reçu un bouquin, mais je ne sais pas, c'est une commande de Fnac, je ne sais pas d'où ça vient. Et là, en fait, elle avait reçu du coup le livre que j'avais commandé pour mon petit garçon. Bon, bref, ça c'est pas grave, elle va très gentiment me le renvoyer. Mais du coup, j'ai annulé l'autre partie de la commande, donc le tome 2 de Blackwater. Pour pas qu'elle le reçoive aussi dans 2-3 semaines et qu'elle doive du coup me l'envoyer également. Bon, bref. Du coup, voilà, je n'ai pas le tome 2 de Blackwater. En fait, il faut juste simplement que je le recommande, hein, c'est tout. Mais je ne l'ai toujours pas fait. Voilà, donc je vais peut-être faire ça. Bref, allez, j'espère que du coup, ce vlog vous aura plu. Je vais dérusher, monter. Il faut que je tourne des petites images d'illustration. Et puis, on sera bon. Voilà. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude. Un petit like, un petit commentaire. C'est vrai que j'essaye d'y répondre assez régulièrement aux commentaires parce qu'au final, à partir du moment où je publie le vlog le dimanche, au final, vous êtes nombreux et nombreuses à commenter, même encore la semaine d'après. Donc c'est plutôt cool et j'aime bien tous nos échanges. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, un excellent début de semaine, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, puisque j'ai vu sur Instagram que vous étiez nombreux et nombreuses à, ça y est, pouvoir faire vos valises et partir en vacances. Donc, à celles et ceux que ça concerne, je vous souhaite de très belles vacances et on se retrouve la semaine prochaine.